Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parler de la santé durable. Je fais partie et je suis membre fondateur de la Chambre nationale des praticiens de la santé durable qui regroupe toutes les professions de la santé, médicaux, paramédicaux et toutes les filières de la santé qui ont pour objectif commun d'améliorer la santé générale de l'homme dans son environnement. La santé durable, c'est une vision de la santé qui relie en permanence l'homme et son environnement, l'environnement et l'homme. C'est une manière moderne de recycler ce qu'on appelle l'énergétique traditionnelle orientale. C'est une vision, on peut le dire, écologique de la santé. La santé durable, pour moi, c'est un état d'esprit. C'est une vision holistique de la santé. Alors, holistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire global. Global et total. Cette vision qui privilégie la prévention au niveau de la santé, d'où le terme durable. Durable, c'est une mauvaise traduction de sustainable, le terme anglo-saxon, mais durable, à mon avis, c'est beaucoup plus fort parce que vous avez une notion de temps. Donc, c'est soutenable, c'est-à-dire facile à mettre en œuvre, peu coûteux, efficace, donc efficient. L'efficience étant l'association de l'efficacité, de la facilité de mise en œuvre et d'un coût modique. Donc, pas besoin de matériel coûteux. Les techniques, les méthodes, les disciplines de la santé durable peuvent être exercées dans le monde entier sans moyens autres que ceux que nous pouvons transporter. C'est ça l'intérêt. Pas besoin de machines sophistiquées, pas besoin d'électronique. On peut pratiquer toutes ces méthodes avec un minimum d'instruments, d'appareillage, ce qui, bien entendu, en réduit le coût. D'accord ? Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.